Salut amis de YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Bassim prend des renseignements auprès d'un juge, donc un peu d'infiltration, d'enquête et de discrétion dans cette vidéo. Je vous laisse visionner, moi je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. Rien ne peut nous échapper. Les Mavalim sont tout près. Derwish m'a dit un jour que c'est là que la population pouvait faire appel d'un jugement injuste. Mon père m'a dit un jour que pour connaître la valeur d'un homme, il faut interroger ses subordonnés. Ces juges doivent connaître le gouverneur mieux que quiconque. Cet homme colporte les ragots aussi éhontément qu'un marchand du souk. Salut à toi, Sayyidi. Accepterais-tu de répondre à quelques questions au sujet du gouverneur Mohammed ibn Tahir? Répondre à des questions ne me rapporte rien. Si tu as une compensation à m'offrir, d'accord. Sinon... Que dis-tu de ce témoignage de gratitude de la part d'un humble sujet? Fort bien. Pour commencer. Tu es dur en affaires, toi. Beaucoup trop dur. Attends! Un rival a découvert des documents qui pourraient me faire comparaître devant ma propre cour. Apporte-les-moi et je te parlerai. Je vais voir ce que je peux faire. أهلاً، كيف حالك؟
يمكنني شق قتل قدوم غدا؟ إنها تعد ألا تبكيك الموت. لم يتبقى لدينا سوى لفافتين من القماش. Guide-moi, Eiji. Non, c'est trop dangereux, Eiji-do. Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu! Ce ne sera pas long! Tu n'es qu'un bluff! Reste en éveil. Abou Abdallah devrait être jugé pour trahison. Un petit mal pour un grand bien. Je... Et qui ne laisse un goût amer dans la bouche. Roméo, ce n'est pas à toi, voleur! Par ici! Mon voleur! C'est mauvais, ça. هذا يا
الرجال الوقاحة. J'ai ce que tu m'as demandé. Bon, que sais-tu sur le gouverneur? Il est craint, respecté, dévoué à l'application du droit et de l'ordre. Quoi, c'est tout? Tu travailles ici, et Mohamed Ibn Tahir siège à la cour. À celle de Shurta, pas au Mazalim. Il a des espions ici. L'un d'eux se rend à son bureau tous les jours à midi. Bon, maintenant, adieu. الأول هناك والآن علي إيجاد طريقة حسنا يبدو ذلك معقولا كما Ce messager pourrait me mener au bureau du gouverneur, et au secret qu'il y garde, quoi qu'il puisse être. Bien. Maintenant, tu restes où je peux te voir, d'accord? Tu n'es pas le bienvenu. Je ne te vois plus. Oui. Viens plus tard. Tu ne peux pas t'échapper. On ne me sème pas aussi facilement.
Derwish m'a toujours dit que je finirais à la Shurta. Qui aurait cru que je m'y rendrais de mon plein gré? Va, Enkidu. Éloigne-toi, mon ami. C'est trop dangereux. Tu as déjà raconté la fois où l'émir a été furieux contre le Zahid. Thank you.
bientôt être invité chez elle. Allons, gros. Qu'est-ce qui se passe? On rentre parfois à la fillette. Quoi? Je vais t'arracher les tripes! Au moins ça a fait du changement. C'était peut-être rien, mais attention. Quoi? Il se passe quelque chose? Je vais t'accrocher par petits bouts aux portes. Cette ville, qu'ils essaient pour voir. Trop évident. Quoi? Allons, bon. Qu'est-ce qui se passe? Un endroit possible. Hé hey! Désormais, la voie est libre pour Enkidu. Montre-moi ce que tu vois.
passe. Une minute. Hey, qu'est-ce qui se passe? Allez, retour. À vos armes! Voilà de la visite! La prudence nous garde en vie. Hey! Je vais te démembrer lentement. Hey! Bon sang. Tu reviendras. Et j'ai de la patience. Quelqu'un est passé! À vos armes! Les hommes d'Abou Abdallah qui sèment le désordre, et en plus tous ces maudits rebelles. Ma foi, c'est tout ce qu'on peut faire pour éviter les émeutes. Le gouverneur y travaille. Il va nous faire traverser cette tempête. Tu es en paix à présent.
tes... Je lui ai acheté un coup de pierre. Qui ? Une minute. Bon sang. Goûte à la mort. Ah, qu'est-ce qui... Où est-ce que... Il y a tout ça. Il y a tout ça. Enfin, le bureau de Mohammed ibn Tahir. Le gouverneur traque les rebelles. Et ceux qu'on ne voit pas. À la demande du gouverneur, les Tahirid ont accepté de retirer leur protection à Alamut. Une trahison envers ceux qu'on ne voit pas. Océan, désert, cobra, colombe. C'est apparemment un admirateur d'Arib la poétesse. Tu peux toujours dire à tes maîtres que j'ai fait faire des copies. Si tu déchires cette page ou me tranches la gorge, l'accord demeurera. Mes maîtres ? La cabale masquée, l'ordre des... je ne sais plus quoi. N'es-tu pas à leur service ? N'es-tu pas toi à leur service ? Je sers le califat et Allah. Ce que je fais d'ailleurs sans cacher mon visage. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Pourquoi donnais-tu des ordres à Wasif al-Turki ? Un membre de l'ordre ? Cette brute attisait le feu de 1000 rébellions. Fort heureusement, quelqu'un m'a épargné le soin de le mettre à mort. Un de ceux qu'on ne voit pas, dit-on. Est-ce toi que je dois remercier ? J'ai lu ton courrier. Tu as contraint tes cousins à retirer leur protection à Alamut. Tu nous as vendus à nos ennemis. Et acheté la paix pour Bagdad. Tu t'es déjà procuré l'acte d'achat, d'ailleurs. Le serment d'allégeance d'Abu Abdallah. Que vient-il faire dans cette histoire ? Son ambition aurait déchiré le califat. J'ai offert Alamut à l'ordre, qui m'a donné l'assurance qu'il ne nous menacerait plus. Alors pour piéger un renard, tu libères un loup ? L'ordre fera brûler Bagdad, gouverneur. Et l'histoire te jugera. L'histoire peut bien me pendre. Je quitterai ce monde en sachant que le compromis réclame du courage. Il est aussi plein de lâcheté ! Quel âge as-tu ? 20 ans ? J'avais à peu près ton âge quand je suis arrivé dans cette ville. Vertueux comme personne. Et qu'est-ce qui est arrivé ? J'ai grandi. Si tu tiens réellement à sauver Alamut, retourne cette lame contre tes ennemis ! Donne-moi leur nom. Livre-moi celui avec qui tu as conclu ça. Je pourrais, oui. Mais si tu échoues, j'y laisserai la vie. Et je préférerais la garder. À présent, j'ai du travail. Sans rancune, mon ami. Garde ! Finalement, je me retrouve quand même à m'enfuir de la chouta. C'est le gouverneur ! Qu'est-ce qu'il faut avec les crêpes ?
Ordre ou pas, le gouverneur Mohammed n'est pas l'allié de ceux qu'on ne voit pas. J'en ai assez appris sur nos trois suspects. Il est temps d'aller demander conseil à Roshan et d'en finir une bonne fois pour toutes. On ne veut pas de quoi. Le torchon est tout sauf artistique. C'est chez le vizir. Pas le nouveau vizir, mais l'ancien. Enfin, pas celui d'il y a longtemps. Mieux vaut se faire plus petit. Bassim, tu as l'air résolu, Bassim. Qu'as-tu appris ? Harib est innocente. Le gouverneur, un peu moins. Il a passé un marché avec l'ordre et privé Alamut de la protection de ses cousins. Taban. C'est ce que nous craignons. Être livrés à nos ennemis. Oui. En échange de la renonciation d'Abu Abdallah au trône, il laisse sa couronne au profit de l'ordre, qui est dirigé par... Sa mère. Kabiha est la tête du serpent. Où est-elle en ce moment ? Elle a fui au palais. En agissant vite, on peut sauver Alamut. Remets-moi la plume, maître. C'est promptement que la justice frappera Kabiha. Et c'est moi qui l'exercerai. Quoi ? Que dis-tu, maître ? Qu'une main plus aguerrie est nécessaire. La dernière fois que tu es entré dans un palais, tu l'as quitté pour le moins... désemparé. N'ai-je pas fait mes preuves depuis ? Maître, j'ai mérité le droit de... Quel droit as-tu mérité ? De tuer ? Non... non, ce n'est pas... Le coup porté par l'un des nôtres est porté par nous tous. Ton ego deviendrait-il bouffi d'orgueil ? Ce n'est pas mon ego, maître. C'est le devoir. J'ai juré de quitter mon ancienne vie, de marcher dans l'ombre et de servir la lumière. J'entends bien le faire. Kabiha est plus dangereuse que ces hommes. Frappe vite et mets fin à tout cela. N'hésite en aucun cas. Aussi tendre qu'une pierre. Qui est-elle pour t'empêcher de tuer Kabiha ? Ou te dire qu'en frapper ? Mon maître est Mator, sans qui je serais mort il y a longtemps. Un cadavre dans les rues d'Anbar. Tu t'amuses à m'espionner maintenant ? Constamment, oui. Alors tu comptes ravaler tes questions ? Frapper ses ennemis et obéir sans broncher ? Et vivre ta vie sous l'emprise d'un djinn, dans la masure que tu espérais quitter ? Viens me chercher quand tu auras accompli ton devoir. –
Tant de gens sont morts ou ont disparu. Et toutes les traces de sang remontent jusqu'à toi, Al-Bahamut, le dernier masque à lever. Tu as lancé Wasif contre les rebelles, soutenu Al-Rul, vendu la couronne de ton fils pour t'emparer d'Alamut. Tout cela pourquoi ? Un témoignage sans valeur d'une époque oubliée ? Peu importe, je te trouverai au palais. Et je trancherai la tête du serpent. Et voici qu'arrive la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un commentaire si vous le désirez, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela fait plaisir et ça soutient. Nous voici à la veille du lever du dernier masque. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !